pour une très courte vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment on prépare les joints cuivre de l'atelier de la vigne avant de les monter donc sur vos moteurs. Alors là, c'est un joint de culasse de Solex, mais c'est exactement le même procédé pour tous les joints cuivre de l'atelier de la vigne. Alors, le joint, il est comme ça au départ, bon, en cuivre. Alors, méfiez-vous des imitations aussi, hein, les différences de prix, il y a bien une raison. Les joints de la TV sont en cuivre, ils sont de la bonne épaisseur et ils sont découpés comme il faut sur tous les modèles de joints qu'on peut avoir. Donc, vous voyez qu'au départ, ce joint, il est assez rigide, on peut difficilement le tordre. Donc, on va le recuire tout simplement pour le rendre plus mou et que lorsqu'il va s'écraser, quand vous allez le serrer, eh bien, ils prennent bien toutes les empreintes des plans de joint. Alors, pour le recuire, c'est très simple. Vous le posez sur un endroit où vous ne pouvez pas mettre le feu, c'est mieux. Vous prenez un bleuet et vous allez chauffer. Jusqu'à ce qu'il change de couleur. Il va devenir à des endroits rouge cerise. Et vous le faites changer de couleur sur toute sa superficie. Et d'un seul côté, bien sûr, ça suffit. Voilà, vous voyez là. Il change de couleur, il devient rouge, jaune, presque noir. Et on fait tout doucement tout le pourtour du joint. Voilà, alors vous avez vu que de couleur cuivre, il passe à cette couleur un peu noirâtre, et ça veut dire que vous l'avez bien fait recuire. Alors à présent, on va attendre qu'il refroidisse, bien sûr, vous n'allez pas le prendre directement avec vos mimines, parce que ça va brûler. Donc on va attendre qu'il refroidisse et on revient. Et au bout d'un moment, c'est froid, et vous verrez, regardez, c'est beaucoup plus souple, et ça se tord facilement. Voilà, vous voyez, il est tordu. Donc là, à présent, vous pouvez le monter et le serrer sans problème. Voilà comment on recuit donc les joints de l'atelier de la vigne en cuivre. Merci de votre attention.